Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour Civilization 5 Brave New World, où je tente une victoire scientifique avec les Pays-Bas. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Je suis dans le peloton de tête, bien que je n'ai pas affiché les scores. Ça permet de garder un peu de surprise. Alors... Bruxelles réclame de la foi, c'est pas moi qui leur fournirai. Votre peuple n'est pas content. Et un peuple... Eh oui, mon peuple est mécontent. Donc, on va faire plusieurs choses. Donc cette frégate a monté en expérience, voilà. Celle-ci aussi. Bon, mon artillerie, on va la rediriger vers ici. Voilà. Celle-ci, on va l'envoyer ici. Voilà. On va mettre une frégate par ici. Tout de même, je vais garder un bout de flotte pour... vers où je vais l'envoyer, lui, Londres. Ou Nottingham. Allez. Voilà. Donc là, j'ai un ouvrier qui est prêt. Donc je vais lui faire faire une route jusqu'à Breda. Là, j'ai de l'infanterie qui va rester en défense ici. Alors, j'ai terminé une école publique à Breda. Très bien. L'étape suivante, ce sera le laboratoire de recherche, mais on n'a pas tout de suite ce qu'il faut. Donc on va se contenter d'une banque en attendant. Ou d'un moulin à vent, d'un moulin à vent. Ça permettra d'aller plus vite pour faire le laboratoire. Là, on va faire une bourse, histoire de gagner un peu plus d'argent. Donc, le bonheur. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur, nous allons régler ça. Nous avons quoi ? Or, argent, pierre précieuse, ivoire, fourrure, épices, soit sel. Diplomatie. Portail diplomatique. Eux, ils ont du vin. Et des agrumes. Donc, voyons voir. Du vin et des agrumes. Moi, je te donne des épices. Ah non, on va faire comme ça. Très bien. Il est content. Et moi aussi, surtout, plus important. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais avoir besoin? Oh, sucre. Ouais, moi aussi je t'aime. Du sucre et du cuivre. Il n'y a que les pierres précieuses qui l'intéressent. Bon, si je donne une pierre précieuse. Non, il veut pas. Eux, ils ont de la truffe. Ouais. Ça ? Non. Alors, des fourrures. Les deux. Pas très intéressant, tout ça. Personne n'a du rab de ressources de luxe. Apparemment, non. Hein. Moctezuma a des agrumes. Je vais peut-être retourner voir Moctezuma. Gustave Adolphe, enthousiaste. Ah, welcome. Donc moi, je peux leur donner les miennes puisque je garde une partie du bonheur généré. Voilà. Ah, du coup, je suis à 5 en bonheur. Après ces quelques tractations. Donc le bonheur est important puisque il joue sur la croissance des cités. Et la croissance des cités est ce qu'il y a de plus important pour la science. Enfin, plus une ville est grande, plus elle génère de points de science. Comme j'envisage une victoire scientifique. Avoir des grandes villes, ça aide. Ah, fête du roi à Kiev.
Sidon, à Rotterdam, à Amsterdam, les gens sont heureux. Ah, Antonin Arrivo est redevenu allié avec moi grâce aux ressources que j'ai récupérées. Pour le marbre, que j'ai récupéré, très bien. Donc, Nobunaga Oda a fait la porte de Brandebourg. Ah bah oui, il m'aime bien et maintenant il me dénonce. Bon. Oh là, ça dénonce de partout. Faut dire que je viens quand même d'envahir plusieurs cités-états. Peu de temps, Kiev, Sidon, Sofia. Je comprends que des gens se méfient maintenant. Voilà, je suis monté à 12 en bonheur, je sais pas ce qui se passe. Bon, j'ai un ouvrier ici, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il fait de la voie ferrée, c'est bien ça. Voie ferrée. Donc là, on a fini un chantier naval, très bien. On va faire une bourse. Parce qu'on a besoin de sous. On en aura encore plus besoin en fin de partie. Il faudra faire quelque chose pour ces frégates. Hein. C'est quand même des unités militaires d'un autre âge. Les remplacer par les navires de bombardement plus modernes, tels que les cuirassés. Donc pas les cuirassés à vapeur, mais les cuirassés tout court. Qui sont beaucoup mieux. Osaka est quand même une grande cité. Hein. 20 points d'habitation, c'est... Population, pardon. C'est quand même beaucoup. Donc là j'ai de l'infanterie qui est prête, on va l'envoyer ici, hein, sur le front japonais. Calme, tout va bien. Les gens sont heureux. Ça va être encore mieux quand Sofia aura terminé la phase de mécontentement et aura fait son tribunal. Oui, vous m'aimez pas, ça tombe bien, je m'en fiche. J'aurais peut-être pas trop m'en fiche parce que s'ils décident de me déclarer la guerre, ça va me ralentir quand même pas mal. Oh là, il se passe des choses. Bogota et Monaco, oh là là. Pourquoi? L'accord stipulant que nous devons fournir des épices à Gustave Adolphe et le sel. Tiens donc. Le Siam a désormais plus d'influence auprès d'Erevon. Ah mince. Mince. Monsieur X a réussi à truquer les élections à Bogota. Ça c'est bien, mais Bogota n'est toujours pas dans mon escarcelle, elle est toujours alliée de la Suède. Et Nif a réussi à truquer les élections à Monaco. Monaco n'est toujours pas mon allié non plus, elle est toujours alliée avec le Japon. Alors, Monaco aimerait que soit construit le Neuschwanstein, je ne pense pas... Ah, un nouveau samouraï illustre, très bien. Donc, pom-pom-pom. On va renvoyer lui à Tokyo pour faire des sous. Donc, Monaco est en quête d'une nouvelle muse pour le Neuschwanstein. Hormus, Wellington a terminé son projet, Monaco... D'accord. Donc là, j'ai Euclide qui a terminé... Donc il va finir matière plastique. Ben, je n'aurai qu'un mot à te dire. Un seul mot. Le plastique. Ok, ça nous permet de faire de l'infanterie, l'unité d'infanterie la plus puissante du jeu jusqu'à l'infanterie mécanisée. Le laboratoire de recherche, qui est très très important. Et le Christ Rédempteur, ce qui tout de suite ne me préoccupe pas trop. Donc là, on va continuer ma voie ferrée. Ça coûte cher, mais c'est bien. Ok, maintenant que j'ai ça...
ça va commencer à être la course vers la construction du vaisseau spatial. On va partir sur la théorie atomique. Je pourrais faire les chars, mais ça me presse pas trop. On a terminé une bourse pile à temps pour faire un laboratoire de recherche. Est-ce qu'on a des choses qui peuvent attendre ici? La base militaire dans 3 tours, on va la finir. La bourse dans 4 tours, on va la finir. La tour Eiffel, on va la laisser la finir. Bah ouais. Très bien. Et la boîte de recherche, ça va faire un grand bien. Ouais, les routes, ça coûte cher. Les voies ferrées, encore plus. Mais bon. Ça rapporte également. Ok, donc là j'ai une pièce d'artillerie qui est installée ici. Je vais la mettre sur la colline ici. Voilà, on pourra bombarder un peu tout autour. La Vanta, c'est où déjà? Oh, ça a des plombes, ça m'intéresse pas. Ok, donc ils se dénoncent entre eux, tout va bien. La colonisation de cette île s'est quand même très bien passée. Je suis assez content. Donc là j'ai de l'artillerie qui est ici, on va la monter sur cette colline. Voilà. Puisque l'artillerie sur les collines peut tirer plus loin, je crois, elle peut tirer par-dessus les forêts. Ce qui est très bien. 1, 2, 3, je pourrais tirer ici normalement. Les chalutiers japonais. Faudrait que j'en installe un ici peut-être. Moctezuma. Le peuple le plus armé au monde, c'est moi. C'est rassurant. Ragus a terminé son projet, on s'en fiche. Wellington. Pas bien grave. Erevan se lance un projet de travaux publics. Non. Yasmin Bratislava estime qu'une route commerciale. Ce serait vachement bien. Une route commerciale Bratislava, une route commerciale. Ouais, pourquoi pas. D'accord. Donc ici on a terminé un tribunal à Sofia. Très bien. Et on va lui la faire démarrer petit à petit, donc on va commencer par un cirque. Ici on a fini une base militaire, donc un labo de recherche, ça me paraît quelque chose d'intéressant pour continuer. Donc ma pièce d'artillerie, là voilà, elle peut tirer jusqu'ici. J'avais fait un état d'alerte. Si les Japonais osent m'attaquer. Oui, je veux rester copain avec toi, tu me donnes des ressources de luxe. Le bonheur est remonté en flèche hein, depuis la construction du tribunal de Sofia. Puis la tour Eiffel et le cirque vont encore aider. Donc là, pareil, hein, il va avoir, à mon avis, un bon angle de tir, voilà. Il peut protéger tout ce flanc. Donc là, on a terminé une bourse. Des sous, des sous, des sous. Laboratoire de recherche. J'en viendrais même à envisager d'attaquer moi-même le Japon. Hein, avec la force dont je dispose aujourd'hui. Surtout que la Russie dénonce le Japon. Ah, faut pas que je laisse cette idée commencer à se développer dans mon esprit. Ah non, quand même, ils ont quelques grosses cités. Et ils sont des deux côtés. Ils en ont là. L'aéronautique n'a été ni une industrie ni une science. Ce fut un miracle. Donc la Prora, je ne peux pas le faire. Il faut l'autocratie. Culture générée par les castels, par les Moai. On s'en fout. C'est pas mal de faire des bombardiers quand même et des triplans.
La Russie a dénoncé le Japon. Breda a terminé un moulin à vent, donc on va enchaîner sur un labo. Terminer une bourse, labo. Bien. Bon, il se passe pas grand chose de passionnant ces tours-ci. Pourquoi j'ai perdu 4 en bonheur d'un coup? Ah, j'ai eu plusieurs villes qui ont grandi peut-être. Là, je vais en avoir. Groningue qui va grandir. Amsterdam dans 2 tours. Je vais perdre encore du bonheur. Ça va vite. Je vais le laisser finir, je vais amener lui ici pour faire des voies ferrées. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Des jeux internationaux. Lance le projet des jeux internationaux. Une fois le projet en cours, les civilisations peuvent... Oui, c'est comme l'exposition internationale. Donc, le gagnant remporte le tourisme, augmente de 100% pendant 20 tours, une doctrine gratuite. Le second a du bonheur plus 3. Et le troisième a bonheur plus 3. Oh là là, il n'y en a aucune qui m'intéresse. Hein. Ah, on peut l'améliorer en infanterie. Et on va le faire. Tadam! C'est des GIs maintenant. Là, c'est une unité d'infanterie de puissance 70 quand même. Hein. Ça commence à envoyer du lourd. Franchement, Osaka, elle est contente. Hein. Il n'y a pas de mur en plus. Ça serait pas trop long, ça serait une affaire relativement courte hein, de s'emparer d'Osaka. Le problème, c'est qu'elle reste des villes japonaises. Mais même ça, j'ai pas trop d'inquiétude, je pense que je devrais pouvoir gérer. Il faudrait que je regarde où on est la situation diplomatique. Je vous propose de voter. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que je devrais m'en prendre au Japon ou pas? Un peu de culture, allez, ça prend qu'un tour. Donc on fortifie tout ça. Enfin, on les met en état d'alerte. Il faut que j'aille voir la situation diplomatique. Ils ont quelques cuirassés à vapeur. Technologiquement, on ne doit pas être bien éloigné hein, des Japonais. Un marché. Il n'y a pas un truc pour booster la production plutôt? Une écurie, ouais, mais bon. Allez, le moulin avant. Viens voir la situation diplomatique. Le Japon est en guerre avec les Aztèques. Ici donc. Ça doit être par ici que le conflit doit avoir lieu. Si je déclarais la guerre au Japon, Rostov est loin, donc il y a Ur et les Russes entre eux et moi. Donc je n'aurais à me préoccuper que de ce front-là. Je pense que Osaka tomberait aussi... Ouais, mais j'ai un bonheur trop faible. Avec 5 de bonheur, j'ai pas assez de marge pour soutenir une longue guerre. J'aurais 15 ou 20 de bonheur, je veux bien. Mais... dans un pays lointain. J'ai découvert tout le monde pourtant. Ah, j'ai un espion à Bogota. C'est peut-être pour ça que je vois ce qui se passe. En toute logique d'ailleurs.
1936. Dans Bratislava, le Vatican, la Russie a dénoncé la Suède, Gustave Adolphe entre dans l'ère moderne. Alors, ai-je une cité qui est à ma religion? Ah ouais, donc on va faire un... on va faire un missionnaire pour répandre la foi. C'est le but du jeu. Dans mes villes ici. Donc on va prendre la plus grosse cité du coin, qui est Breda. Et on va tenter de la convertir. Comme ça, je pourrais fabriquer une mosquée. Voilà. Et on y va. Sept adeptes, mais c'est pas suffisant pour que la ville ait basculé de ce côté-là. Pourquoi je n'ai que... Ah, j'ai une septième voie commerciale. Ah, c'est important, ça, à faire. Donc, on va relier Rotterdam avec des voies ferrées. Voilà. Dès que la tour Eiffel est finie, je fais un nouveau... Un nouveau port, ce que vous voulez. Un nouveau bateau de commerce, pardon. Depuis Amsterdam, puisque c'est elle qui a le caravansérail qui augmente les revenus de chaque voie commerciale basée dans cette ville. Antananarivo a rejoint le Japon. Ah, je perds du bonheur. Alors, viens voir. Les jeux internationaux, c'est le bouddhisme. Il faut vraiment que j'aille contre. Donc là, j'ai un navire marchand qui est prêt. On va le faire avec Kyoto. Donc là, on a fini une école publique. À Kiev. Le labo, c'est un peu long, donc on va partir sur un atelier. Est-ce qu'on a des choses pour du bonheur? Non. Là, le missionnaire, on va continuer de pousser un peu à Breda. Ah là, ça y est, elle est convertie. Donc, on est à 1 en malheur. Ça c'est le yo-yo, hein. C'est le yo-yo. Oh, lui, il a 7 de ce truc-là. Et de l'ivoire. Allez, Gustave. C'est pas ta mijaurée. Donne-moi un peu de sel. Je te donne des épices. Qu'est-ce qu'il veut? Il peut tellement se le mettre dans le... Voilà. J'ai des agrumes ou pas? J'en ai pas d'agrumes. Hein. Mais il donne pas ses agrumes. Ah si! Ah mince, c'est lui de ce côté! Ouais, ils sont contents. Y'a ça! Et ni! Et l'ivoire, si je te donne de l'épice. Food chips. Je dois vouloir dire non. Le Siam. Ah non, mais il a rien en double, donc c'est pas intéressant. Le Japon, mais il voudra jamais rien me donner. Oh, je sens bien qu'il m'aime pas. Ouais, bah oui. La truffe de Catherine, j'ai déjà essayé. Bon, bah c'est la misère. Mais dans un tour, j'ai la tour Eiffel. Donc ça va régler un peu le problème du malheur. Thank you.
Voilà, solide, durable et élégant. Tourisme, on s'en fiche. Donc la religion mondiale n'est pas promulguée. Les jeux internationaux sont promulgués. Bon. Comment faire, vous le demandez, vous avez connecté des agrumes à votre réseau commercial. Donc c'est une cité-état mercantile qui me rend heureux. Très bien. Envers et contre tout. Comme Hanoï vous l'a demandé, ta. C'est état militariste. Rien à faire. Antananarivo. Ah ah, tous les dons d'argent à Antananarivo donnent double gain de réputation. Combien il faut que je fasse? Il vous faut encore 2 d'influence. Moi, je vais faire un don de 250. Voilà, c'est mon allié. Et donc, je récupère un peu de culture. La tour Eiffel est terminée. On va rapidement faire un bateau navire marchand. Voilà, ça prend 2 tours. Avant de se lancer dans le labo de recherche. Les motos de recherche d'ailleurs vont commencer à être terminés. Là, le premier va se finir ici. Donc on va commencer. Je suis à 600 en science. On va commencer à avoir des gains. Bah oui. Bah oui, je voulais pas que ta religion soit celle du monde entier. Non mais. Et il se plaint. 15 en bonheur. Ah, ça va mieux. C'est vraiment le yo-yo hein, quand on joue avec les ressources et tout. Bogota. Sinon, on a terminé un laboratoire de recherche. Voilà, 643. Bim. Ça, c'est pas mal. Alors, ensuite, nous allons. Là, il n'y a rien d'urgent. C'est Sidon. Hein. Sidon. Sidon, on va faire un ouvrier. Un chantier naval, elle est un peu de bonheur. Au cas où. Bon, il va falloir que j'arrête aussi, hein, 1940. Je vais arrêter donc l'année prochaine, en 1941. Allez, je fais encore un tour de plus après celui-ci. Jusqu'en 1942. Pour avoir terminé le centre de recherche de Groningue. Ah, et puis voilà. Alors, il se passe plein de choses. L'électronique de grande consommation est régie par une seule loi. Les produits sont de plus en plus puissants et de moins en moins chers. Donc, ça permet de faire des porte-avions, qui sont des bateaux avec une puissance relativement faible mais qui transportent des avions. Et le cuirassé, qui est bien violent et qui tire à distance. Donc, on a un nouveau navire marchand terminé, que l'on va envoyer vers Lisbonne. Lisbonne. C'est parti. Elle a un autre navire marchand que nous allons envoyer vers Antananarivo. Antananarivo, ça me paraît pas mal. Hein. Ouais, Antananarivo. Hop là, ça fait plein de sous-sous. Et là, on a une caravane qui va partir vers... Alors, c'est qui? C'est Bratislava qui m'avait demandé, hein, je crois. Hein. C'est Bratislava qui demande... de relier leur ville à une route commerciale, c'est ça. Donc on va aller sur Bratislava. On va voir combien je rapporte, combien ça me rapporte. Ah, elle est trop loin. Elle est trop loin. Puis voilà. Ben Kyoto, hein. Bim, 91 de sous-sous. Ça va bien, ça. Alors, Monaco. Donc on a réussi à truquer des élections à Monaco. Donc Monaco est maintenant amie, donc elle me rapporte 13 points de culture. Mais ça va pas durer longtemps, puisque dans 2 tours, elle va redevenir plus amie. Bogota, c'est toujours pas bon, mais ça va pas tarder. Donc là, j'ai un navire marchand qui est terminé. Un labo de recherche. Maintenant, je me dirige vers la théorie anatomique qui augmente la science générée par les académies. Donc je vais avoir un gros boost en science une fois que j'aurai la théorie atomique. Et je vais finir plein de centres de recherche dans les années à venir. Ce qui est bon.
notamment à Groningue, donc ça va être bien. À nouveau labo de recherche. 644, on va voir à combien je passe. Il me fait 12 tours. Et un savant illustre né à Utrecht. Oh là là, mais c'est fantastique là. Je n'ai que des bonnes nouvelles en ce moment. Osaka. Osaka. Des sous. Encore plus de sous. Je suis à 672 en science. Avec Ptolémée, je peux découvrir la théorie atomique. Non, ça a fait gagner beaucoup de tours. Parce qu'elles sont chères maintenant, les technologies. Groningue a terminé donc son labo de recherche. Et va donc enchaîner. Décision. Un cuirassé, histoire d'avoir quand même un navire de guerre moderne. Non, il faut les jeux internationaux. On va essayer de pas se retrouver les derniers dans ce truc-là. Bon, mais écoutez, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt pour la suite de cette partie de Civilization 5. Bye bye.